Ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Je vais vous inviter à vous tenir debout pour que nous adressions une louange à notre Seigneur. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Louons notre Dieu en chantant le cantique Goulou 141, Bassa 8, sur les ailes de la foi 232, à toi la gloire 249.
Éternel, notre Dieu, merci parce que tu nous as gardés tout au long de cette semaine qui s'achève et tu nous permets de nous réunir une nouvelle fois pour te magnifier et t'adorer. Seigneur, tout au long de cette semaine, nous avons été ceux-là, tes enfants, courant ici et là dans les occupations, mais aussi dans les faiblesses. Nous venons à toi pour te demander, Seigneur, de venir nous habiter au moment où tu nous permets de te magnifier, afin que notre adoration te soit digne. Viens nous habiter par le biais de ton Esprit Saint. Permets que cette rencontre soit différente de celle où les gens se réunissent aujourd'hui sans savoir prononcer ton saint nom. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutons la volonté de Dieu pour nous ce jour. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous écoutons cette parole, est-ce que nous parvenons vraiment à former cette maison spirituelle qui nous est demandée dans la parole de Dieu? Est-ce que nous goûtons que Dieu est bon? Est-ce que nous savons apprécier que Dieu est bon? Certainement pas. Parce que dans nos statures d'hommes faits dans la chair, nous glissons tout le temps. Je vais vous inviter dans le secret du cœur chacun à confesser ses péchés au Seigneur et à demander pardon pour les manquements. Prions l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutons maintenant les paroles de pardon et de réconfort. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. À tous ceux qui confessent leurs fautes et leurs manquements au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en qualité de serviteur, je déclare que le Seigneur pardonne. Je vais vous inviter, bien-aimés, à vous tenir debout pour que nous chantions un cantique dans la joie à notre Seigneur. Bassa numéro 13, Boulou 56 et à toi la gloire 450.
Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous prie de reprendre vos places. Nous continuons notre adoration avec le cantique Boulou 15, Bassa 37.